La météo, Virginie. Un temps calme et froid donc tout au long de la semaine avec des conditions anticycloniques qui vont surtout concerner la moitié nord du pays. C'est le cas donc aujourd'hui. On a un vent de secteur nord-est qui souffle entre 60-70 km/h et c'est vrai qu'il accentue un petit peu la sensation de froid. On avait de bonnes gelées ce matin. Plus au sud, on est concerné par une dépression qui circule en Méditerranée, qui a apporté donc quelques chutes de neige ce matin entre Nîmes, Montpellier ou encore Toulouse. Ça faiblit cet après-midi. On retrouve davantage de la pluie et c'est un temps perturbé qui concerne en revanche l'île de Beauté. Les températures cet après-midi sont stationnaires par rapport à hier, un petit peu déficitaires c'est vrai, sous les normales de saison donc sur la moitié sud avec 4 degrés à Clermont-Ferrand, 10 degrés du côté de Grenoble et 16 degrés pour la Corse. Demain on retrouvera quasiment le même temps avec des conditions calmes, un temps sec sur la plupart des régions, ce sera quand même bien nuageux le matin entre le sud-ouest et l'est du pays avec toujours donc ce ciel bien gris près de la Méditerranée, ces fortes pluies qui vont se mettre en place sur l'est de la Corse où on attend jusqu'à 150-200 mm localement d'ici donc demain soir avec quelques chutes de neige aussi en montagne sur les Alpes du Sud ainsi que pour les Pyrénées, un ciel qui va s'ennuager aussi du côté du centre et du sud du bassin parisien, sinon partout ailleurs le soleil sera globalement au rendez-vous sauf près de la Manche. Les températures en matinée avec donc toujours de fortes gelées, moins 7 degrés par exemple donc du côté d'Aurillac, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 1 degré quand même du côté de Paris et puis dans le courant de l'après-midi, les températures sont globalement stationnaires, entre 4 et 14 degrés, 4 degrés à Clermont-Ferrand, 14 degrés pour Nice ou encore du côté d'Ajaccio. Et puis pour mercredi, donc toujours cet anticyclone avec malheureusement aucune pluie attendue sur les régions de la moitié nord. On aura quelques précipitations entre l'extrême sud-est et la Corse, toujours en lien avec cette dépression qui circule en Méditerranée. Les températures bien basses le matin, donc stationnaires dans le courant de l'après-midi. Et puis jeudi, même programme avec toujours ces deux ambiance, quasiment donc un temps ensoleillé qui se maintient sur la moitié nord et ce sera toujours plus nuageux sur la moitié sud avec le retour de la neige en montagne. C'est un temps donc froid qui va nous concerner une bonne partie de la semaine avec des conditions anticycloniques sur toute la moitié nord avec une dépression en Méditerranée qui est responsable donc ces quelques chutes de neige qu'on avait, c'est vrai, ce matin dans le sud-est. Ça se calme cet après-midi avec des températures comprises entre 4 et 16 degrés. Donc demain matin, on va retrouver un temps bien ensoleillé sur la moitié nord, ce sera un peu plus nuageux entre le sud-ouest et la façade est avec toujours un temps plus gris donc dans le sud-est et en Corse où de fortes pluies vont se mettre en place tout au long de la journée. Donc soyez vigilants avec des températures qui seront encore bien basses. Le temps va rester bien ensoleillé sur la plupart des régions toute cette semaine avec des températures bien basses, des gelées donc en matinée, des conditions anticycloniques qui concernent la moitié nord, anticyclone sur les îles britanniques. Et on a cette dépression qui restera présente en Méditerranée au moins jusqu'à mercredi. Alors en conséquence, on a ce ciel un peu plus nuageux, des Pyrénées vers la façade est, bien gris donc dans le sud-est, avec quelques pluies attendues sur le littoral, mais aussi de fortes pluies qui concerneront l'est de l'île de Beauté au moins jusqu'à demain soir, où on a attend des cumuls jusqu'à 150 mm, ce qui pourrait faire réagir les cours d'eau. Partout ailleurs, donc un temps plutôt calme et sec. Ce sera un peu plus nuageux dans le courant de l'après-midi sur le centre. On a une limite instable qui concerne aussi les bords de Manche. Partout ailleurs, de belles éclaircies avec de fortes gelées le matin, moins 7 degrés à Aurillac, moins 1 à Paris, moins 2 degrés à Dijon. Donc un froid accentué par le vent de secteur nord-est qu'on appelle la bise. Et donc dans le courant de l'après-midi, des températures stationnaires. Et encore bien juste pour la saison, des températures comprises entre 4 et 14 degrés.